Salut les BG. Oui les amis, le Kono est sur YouTube. Bienvenue en tout cas pour cette première vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une rediff d'un live qui s'est passé il y a quelques jours. Il s'appelle le Clash Challenge. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est le Clash Challenge? Eh bien c'est un challenge de composition en 90 minutes où deux équipes composées de plusieurs membres chacun se sont affrontées via des styles imposés, des battles entre les membres. Bref, c'était incroyable. Le sang a coulé, les larmes ont coulé, c'était épique. En tout cas, j'espère que ce concept vous plaira. C'était le tout premier d'ailleurs, celui-ci le tout premier, et les prochains arriveront dès qu'ils seront faits, bien sûr, hein, voilà. Du coup, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, les amis, si tu voulais découvrir tout ça en live et participer pour un prochain Clash Challenge. Évidemment, on vous attend nombreux. Allez, je me tais, je vous laisse tout de suite avec la rediff. Alex, eh ben on y va pour le tirage au sort des malus. Pour Alex, ce sera déjà le droit de veto. Pas que de samples interdits pour moi. Sample imposé pour Alex. Utilisez que des samples, tiens, pour moi. Moins 30 minutes de prod. VST natif obligatoire. Du coup, on va faire un pile ou face avec Alex pour savoir qui c'est qui aura la priorité du premier nom dans son équipe, évidemment. Alex, pile ou face? Allez, pile. Et ce sera face, donc j'ai la priorité. Du premier nom qui va sortir sera dans mon équipe. Voilà, bonsoir. Ben ouais, logique. Quelle est la première personne qui va être avec moi et qui va ouvrir le bal, hein, qui sera dans la première battle? Odéon, qui rejoint la team Coco Bravo. Ensuite, dans la team Alex, Heroic Prod. Le style, Progressive House. Donc pour vous, Odéon et Heroic Prod, ce sera la Progressive House. Ensuite, les amis, deuxième battle. Ota Prod avec moi, contre Klein. On va choisir le style, ce sera de la hardcore. Et bah écoute, je vais utiliser un malus. Et ce sera pack de samples interdit pour Klein. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Pas de malus pour toi, Alex? Je peux faire un droit de veto si je veux. Droit de veto pour cette battle là. Ce sera de la pop. Bon bah c'est de la pop pour la battle Klein contre Ota. Les amis, on continue. Tirage au sort des équipes. Duck rejoint la team Coco. Autant vous dire que ceux qui rejoignent la team Colmain sont dans la team des winners. J'annonce. C'est bien, Eleonore, on est content. Contre Duck, ce sera Monsieur Phoenix. Le style pour ces gens là, ce sera la Bass House. Donc Bass House pour Phoenix contre Duck. Ah, je vais bien mettre un sample imposé sur Duck. Duck aura un sample imposé. Écoute, je vais mettre les VST natifs pour Phoenix. Donc Phoenix, tu n'auras droit d'utiliser que des VST natifs de FL Studio. Je crois que c'est FL Studio que tu utilises, hein. Et donc dernière battle, ce sera Red contre Square. Il n'y a pas de suspense. Red Ricudo qui rejoint la team Coco, et donc Square qui rejoint la team Alex. Le style pour la battle Square contre Red, ce sera du disco. Et bah je vais utiliser un malus, hein. Utiliser que des samples pour Square. Bah du coup moi je vais 30 minutes de prendre en moins pour Red. D'accord. Et enfin dernière battle, donc c'est la battle des chefs d'équipe. Alex, nous allons nous affronter, nous foutre sur la gueule sur la Tropical House. Putain, juste fini. Allez, attention, c'est le début du challenge. Bon courage les amis, on se retrouve dans 90 minutes et dans 60 pour Red. Le début du challenge, let's go! Alors Tropical House, putain, comment on fait de la Tropical House déjà? 110. Oh merde, putain, j'ai pas changé la scène. Oui, désolé les amis. No, God! Vous avez raison. A few moments later. Ok. Bon, j'ai mes accords. Ceux-là, ils sont pas trop mal, je pense. Alors, je vais ajouter des cordes. Et après, on mettra une flûte de pan pour faire tropical. J'ai clairement pas de truc Tropical House, hein. Je vais aller sur Spice là pour les drums parce que on va trouver un bon kick pour des vox.
Ça fait déjà plus tropical house. Hein. Ma basse à moi, tiens. Ça sonne plutôt pas mal. On va mettre un lit de Tropical House, les amis. Qui dit Tropical House dit un flûte de pan. Ok, ok, mesdames et messieurs, ne nous enflammons pas, on connaît, hein, tu t'enflammes puis après tu fais de la merde. On va ajouter un petit layer, voilà, petit layer comme je le dis, de 9 synthés. C'est bon ça, c'est très très bon, c'est ce qu'il faut les amis. Hein. Alors, c'est le moment de vérité, est-ce que ça va matcher ou pas? Mais c'est de la merde! Évidemment, le CPU en chie, mais ça c'était à prévoir, hein, vu le nombre de VST que j'utilise là. Allez, vous savez quoi? Je vais bouncer la mélodie. Ok! Du coup, break down. Un acapella. Clown for him, my stay. Now it's gonna be. Claqué au sol. Been feeling something. Where have you been? Just say I've left. I love the way you kiss the way you ride. I love the way we breathe since we're the one. Ah, il est trop court celui-là, c'est dommage. Let's chill out. Mais saw you standing there, highway broken down. Thought I'd pull over and help you lie together. Me weather sanity. Eh ben celui-là est bien. Standing there, highway broken down. Thought I'd pull over and help you out. Halfway nowhere, I've had the same dream. Alors, on avait dit un break. Saw you standing there, highway broken down. Thought I'd pull over. Saw you standing there, highway broken down. Thought I'd pull over and help you out. J'avoue le piano. Ah, on va peut-être commencer comme ça. Saw you standing there, highway broken down. Thought I'd pull over and help you out. Saw you standing there. Standing there, highway broken down. Thought I'd pull over and help you out. Saw you standing there, highway broken down. Thought I'd pull over and help you out. Ah, j'abandonne, ça veut dire que j'ai déjà un point. Yes. Donc j'ai déjà un point, merci Klein. I know this feeling, we can fly. Allez, c'est fini. Bon, et ben voilà, je suis content.
Alors, on va commencer par Heroic Prod contre Odéon, du coup. Magnifique retour. Comment tu sens la win ce soir ou pas? Ouais, en vrai. J'ai utilisé les 90 minutes. Je sais pas si c'est de la repique à la housse, mais j'aime bien. J'ai utilisé les 90 minutes aussi. Du coup, on commence les reviews, la session de review avec la première battle ce soir. Allez, Glory Knight, let's go pour Rezak Heroic Prod. J'ai entendu Basilic aussi. Et bah écoutez, la team Coco se chie un peu dessus. Odéon, est-ce que la team Colbain peut se chier dessus? Ça commence fort, hein. Bravo pour une première en plus pour Heroic Prod. Odéon, je crois en toi du coup, hein. On y va pour Odéon, c'est mardi. L'équipe Colben est content, le chef d'équipe est content, Odéon, très bon travail, bravo. Et on va voir qui c'est qui va marquer le premier point, quelle équipe va marquer le premier point dans ce clash challenge. Allez, c'est très serré, 19, ouais c'est hyper serré, mais en tout cas les deux prods étaient quali, hein. Suspense, tadam. Écoutez, le premier point de cette première battle va à l'équipe Alexis grâce à Heroic Prod, 10 votes à 9, bravo, premier point pour l'équipe Alexis. Mais ce n'est pas fini, mesdames. Le Clash Challenge va continuer avec la deuxième battle et peut-être un point gratos pour Coco, hein, à mon avis. On continue avec la deuxième battle. Donc, c'était Klein contre Ota sur de la pop. Ils avaient des malus, les deux. Klein avait le malus pack de samples interdit, les amis. Donc, faire de la pop sans pack de samples. Du coup, on commence avec Klein. Bon, déjà, Alexis, t'aurais dû laisser hardcore parce qu'il y a un kick de merde et je l'avais viré. Et là, je vais vriller. La pop, déjà, je connais pas Aya Nakamura et l'autre blondasse féministe multisexe. Là, j'en peux plus, j'écoute pas ça, là. Eh bien, on y va pour Klein. Let's go, Zevardi. Thank you.
adversaire ce soir était Ota. Ota, sans malus, il avait vraiment le champ libre. La team Colmaine compte sur toi pour prendre le premier point. Alors on y va pour Ota Zevardi. Ota, je crois que l'équipe peut te dire bravo, parce que là, je sens qu'on va le prendre le point. Après, je peux me tromper, hein, vraiment, je peux me tromper, c'est vous qui votez. Allez, on va relancer un nouveau sondage, les amis. Quelle équipe va prendre le deuxième point de ce Clash Challenge? Bon, il n'y a pas débat, la team Colbane prend son premier point. Bravo, merci Ota, on prend notre premier point. Et c'est le premier d'une longue série, j'annonce. On continue la troisième battle et nous allons commencer par Monsieur Fennec. On y va pour la team Alex, c'est parti. Bon, Duck, comment on le sent là, la battle là, cette battle là, comment on la sent là? C'est au tour de Duck, le membre de mon équipe, hein, de la team Colbane, la team Coco. Monsieur Duck, il avait le malus sample imposé, qui était celui-là. Allez, Duck, on croit en toi, sinon le ban sera pour toi. Allez, let's go, Zevardi! Thank you.
va passer donc pareil à la session de vote pour savoir quelle équipe va prendre le deuxième point. Zébardi. Ah, c'est serré de ouf. Le troisième point est attribué à la team Alex pour cette battle. Bravo Phoenix pour ton équipe. Tu fais marquer un point de plus pour ton équipe. Bravo. Team Colben au sol. On n'est pas au sol. Il y a qu'un point d'écart. Tu te calmes. Du coup, nous reprenons avec une nouvelle battle. Une battle qui oppose Square de la team Alex contre Red Ricudo de la team Colben. Allez, du coup, on y va pour Square. La disco. La battle disco. C'est parti. J'avoue, Klein, la team Colben commence à être au sol, hein, un pied à terre là. Et ben on y va. Voilà, la team Colben, je voulais gagner la première, et ben ça sera peut-être pas le cas. Hein. Allez, on y croit quand même, sinon Red est bonne ce soir. Allez, on passe au vote tout de suite, sans attendre, parce que là, je suis déprimé. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de le lancer? Je sais pas. Pourquoi c'est serré? Je veux y croire. C'est si serré que ça, MDR, mais je veux croire à la win. Voilà, alors Red Ricudo est en train de passer en tête. Oh là là, oui. Alors là, le scénario est dingue, les amis, car, regardez, il reste une battle et nous revenons à égalité de partout. Donc, ça se joue à la dernière battle. Ça se joue clairement entre Alex et moi-même, les deux chefs d'équipe. On commence avec Alexis, là le scénario est dingue, c'est assez épique hein, je trouve. Let's go!
Blague à part, je salue mon adversaire ce soir qui nous a fait une prod assez quali, franchement, pas dans le thème, mais quali, franchement, elle est super bonne la prod, pas dans le thème, mais elle est super bonne. Du coup on y va, on clôture ce Clash Challenge par ma prod, Anthropique à la hausse, pas de malus, c'est parti. Saw you standing there, highway broken down, thought I'd pull over and help you out. Halfway nowhere, what you doing here, in these silent hills all by yourself. I know this feeling, we can fly together. Here go my hopes up through the stormy weather. I got this. Les amis, on y va pour la dernière session de vote, celle qui va départager tout le monde et qui va donner raison à une équipe pour la win, pour cette première victoire dans le Clash Challenge. Quelle équipe va l'emporter? Ça va se passer maintenant, rappel des scores, vous le voyez, de partout. C'est énorme. Écoutez les amis, la victoire revient donc à l'équipe Colben composée de Odéon, Ota, Duck et Red pour cette premier Clash Challenge. Bravo! Merci à tous ceux qui auront regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un magnifique pouce bleu, à vous abonner et à me suivre sur Twitch pour découvrir ces concepts en live. Je vous fais la bisette et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Des bisous.